propriétaire de magasin a fait une découverte troublante un matin, trouvant une variété d'objets dispersés sur le sol. Cette situation était d'autant plus énigmatique qu'aucun tremblement de terre n'avait été signalé pendant la nuit, et il n'y avait aucun signe d'effraction. Intrigué par ces circonstances, il a décidé de visionner les enregistrements de la caméra de surveillance. C'est alors qu'il découvre quelque chose de terrifiant. Regardez bien attentivement. Les images capturées dans le magasin ont révélé qu'un mannequin derrière une vitre s'était déplacé de lui-même, laissant supposer que la source de ces perturbations était peut-être encore plus sinistre. Si vous étiez à la place du propriétaire, comment auriez-vous réagi? Pensez-vous qu'il puisse s'agir d'un phénomène paranormal? Certains sentiers forestiers sont équipés de caméras pour permettre aux gardiens de surveiller les événements en cours. Bien que la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose, il arrive parfois que des scènes troublantes soient capturées. La vidéo qui va suivre vous poussera à remettre en question la réalité du règne animal. Jetez un coup d'œil. What the hell? Dans cette séquence, on peut observer un prédateur et une proie marchant paisiblement côte à côte, sans raison apparente. Cette scène rappelle presque les moments magiques des films Disney. Est-ce simplement un autre bug de la matrice? Ou bien s'agit-il d'une amitié improbable entre animaux? Avez-vous déjà été témoin de quelque chose de semblable dans la nature? Je suis curieux de connaître vos expériences. L'investigateur en paranormal, AJ, de la chaîne YouTube Ghost Specters Paranormal, se lance dans une enquête à la tristement célèbre prison d'État du Nevada. Cette prison, construite en 1862, a accueilli certains des détenus les plus violents au monde, dont beaucoup n'en sont jamais sortis. Sur une période de 160 ans, la prison a été le théâtre d'événements sordides. Je vous épargne les détails. Il n'est donc pas étonnant que le bâtiment soit réputé pour être extrêmement tenté. La prison a officiellement fermé ses portes en 2012, et depuis, les gardiens organisent des visites pour partager son histoire sinistre. AJ explore l'ancienne prison en pleine nuit, espérant capturer une activité surnaturelle. Alors qu'il parcourt les cellules en solitaire, il parvient à capturer quelque chose de véritablement glaçant. All right, I'm gonna head back.
That was pretty terrifying. Juste devant Agi et Paul, une silhouette passe rapidement devant eux avant de se fondre hors de leur champ de vision. L'enquêteur affirme n'avoir rien remarqué à ce moment-là, seulement revoyant les images par la suite. Intrigué à son tour, l'équipe d'investigation paranormale Haunted Site Paranormal Investigations a également filmé quelque chose dans la prison qui avait échappé à leur attention en direct. Dans cette séquence, Patrick, l'un des enquêteurs, marche dans un couloir de la prison pour provoquer une possible activité surnaturelle. Il se met en scène comme s'il était un nouveau détenu venant d'arriver à la prison d'État du Nevada. Et c'est à ce moment-là que l'impensable se produit. Regardez. I'm the newest prisoner. Which cell's mine? Soudain, une étrange ombre noire enveloppe la majeure partie du corps de Patrick, occultant la lumière provenant de la caméra. Tout comme Agi, l'équipe de Haunted Site Paranormal Investigations n'a remarqué cette étrange anomalie lumineuse inexpliquée qu'en revoyant leur vidéo par la suite. Il n'y a aucune explication logique quant à la raison pour laquelle Patrick serait soudainement plongé dans l'obscurité, à moins que vous en ayez une. Ces deux incidents inquiétants filmés à la prison d'État du Nevada pourraient bien constituer la preuve que cet endroit est véritablement hanté. Qu'en pensez-vous ? Cette vidéo est devenue virale sur Internet. Et cela n'est pas surprenant, car elle présente un homme qui prétend utiliser la puissance de son esprit et de ses doigts pour créer un trou dans un morceau de papier sans le toucher. Cette scène donne l'impression que cet individu maîtrise véritablement les éléments. Quelle est votre opinion à ce sujet ? German raconte qu'une nuit, il a reçu une notification alarmante de sa caméra de sécurité, lui signalant la présence d'une personne sur le toit de sa maison. Il se précipite alors dehors pour enquêter, mais ne trouve personne. La même nuit, il reçoit une autre notification. Une fois de plus, une personne a été détectée sur sa propriété. Lorsqu'il examine les enregistrements de sa caméra de sécurité, il est choqué par ce qu'il voit. Regardez. On peut distinguer une silhouette translucide se déplaçant sur la propriété de German. Elle semble émerger du sol pour grimper sur le toit puis redescendre à nouveau. Quelle que soit cette présence, elle semble attirer l'attention du chat de German, qui la fixe avant de regarder autour de lui, manifestement perplexe. Alors, serait-il possible que German ait accidentellement capturé une activité paranormale à l'extérieur de sa maison ? Real Shapeshift est un utilisateur actif sur TikTok qui partage régulièrement des vidéos portant sur les ovnis, les extraterrestres, mais aussi des mises à jour sur sa propre transformation physique, laquelle s'avère très étrange, comme vous le constaterez en visionnant cette vidéo. My name is not too important. The information I'm about to tell you is extremely important. I was an intelligence specialist with the United States Navy. Since then, if you watch my other videos, you realize that strange things have started to happen to my body. Dans ses récits, il relate avoir déjà occupé un poste de spécialiste en renseignement au sein de l'armée. Il explique que sa vision a récemment commencé à se détériorer alors qu'elle était excellente pendant son service militaire. Après avoir consulté un ophtalmologue, il aurait été informé d'une anomalie qu'il aurait développée. Il ajoute que son œil gauche semble désormais adopter une forme similaire à celle d'un œil de reptile avec une anomalie verticale inhabituelle. L'auteur de la publication poursuit en signalant qu'il expérimente également d'autres modifications corporelles. Voyez par vous-même. Certain areas, like for example, look at my elbows. On both sides, I'm growing additional limbs. My hands, my thumbs, they're extending and growing. Il laisse entendre qu'il aurait peut-être fait partie d'un programme de super soldats et qu'il serait maintenant un métamorphe.
Un métamorphe est une créature dotée de la capacité de modifier physiquement sa forme ou son apparence à la manière de Hulk, pour ainsi dire. Par ailleurs, une théorie du complot évoque l'existence de reptiliens, des êtres humanoïdes capables de se transformer en créatures ressemblant à des reptiles. On avance fréquemment que ces entités proviendraient de civilisations extraterrestres ou de dimensions alternatives. Cette théorie a gagné en notoriété en raison des écrits et des discours du théoricien du complot britannique David Icke, qui avance que ces métamorphes reptiliens dirigeraient secrètement notre monde, en manipulant les événements en secret pour assurer leur domination mondiale. Dans une autre vidéo, l'auteur pousse encore plus loin ses affirmations, prétendant être parmi les premières personnes à avoir reçu un Neuralink, un dispositif implantable élaboré par la société d'Elon Musk. If you notice, the first people to receive an actual Neuralink. Now people doubt, they'll debunk, they'll sit there and say there's no human trials. Il pense que c'est de son devoir de partager ses informations avec le public. Il est convaincu que son précédent compte, qui avait accumulé des millions de vues et de followers, avait été banni parce qu'il aurait divulgué des informations confidentielles. Qu'en pensez-vous? Dans les coins les plus retirés de la forêt, se dissimulent des éléments étranges, des réalités qu'on aurait peut-être souhaité ne jamais connaître. La séquence qui suit a été capturée par un individu en pleine balade. Tout à coup, il remarque quelque chose d'insolite au loin. Je vous invite à découvrir par vous-même. I just wanted to show you guys my cool base that I made a while ago with my cousin. It's really nice. See, we got the entrance all fenced off. Got this thing, I don't know what it is. Well, that stinks. But yeah, we got some chairs. What was that? Is that a cow? What is that? Oh, frick! Ah, ah, ah! Cette créature ne ressemble en rien à ce que je connais. Des commentaires sous la vidéo évoquent la possibilité qu'il s'agisse d'un skinwalker. Le jeune homme a certainement vécu un moment terrifiant en voyant cette créature se rapprocher dangereusement de lui. À votre avis, que pouvait-il bien en être? Et que seriez-vous vous-même fait à sa place? Cet individu a été témoin d'une série d'événements étranges dans sa maison, allant de portes de placard s'ouvrant d'elles-mêmes à des objets qui se retrouvent déplacés par rapport à leur emplacement initial. Face à cette situation, il a choisi de mettre en place des caméras de sécurité pour surveiller ce qui se déroule chez lui. Les révélations qu'il va faire sont vraiment troublantes. Et ce n'est pas tout, ce qui va suivre est encore plus perturbant. Jetez un œil. Oui. Isso aqui, gente, não é a primeira vez que acontece, não. Thank you.
vai de ir lá olhar, não? Je me demande pourquoi il n'a pas simplement allumé la lumière au lieu d'utiliser une lampe de poche dans l'obscurité. Je vous laisse découvrir ce qu'il a capturé par la suite. Oi. Oi. Oh meu Deus. Oh meu Deus, olha isso daqui, gente. Olha isso aqui. Olha onde foi parar a cama. Ai, meu Deus. Que barulho é esse? Cara? Deus. Sa façon de filmer semble suspecte, et les événements pourraient facilement être mis en scène. Mais malgré cela, regardons tout de même ce qui va se passer par la suite. Eu levei susto, achei que eu tava vendo coisa. A mãe foi lá pegar a vassoura pra mexer nele. Vira ela pra frente. Eu vou jogar esse troço fora, vou queimar. Cuidado, vira ela pra frente. Ui. Tá no bichinho. Ela vira de costas toda vez que arrumava ela pra frente. Não, vira ela pra frente. Aí. Aí. Você põe nela. Como assim? Eu tô voando. Sei lá. O trem começou a se mexer do nada. Olha lá. Eu tô voando aqui. Olha lá a mão dela. Ui. Você joga vem. Fora. Para, Lê, pelo amor de Deus. Oi. À aucun moment il ne filme la poupée de plus près. Il est donc difficile de se faire un avis. Qu'est-ce que vous en pensez? L'extrait que nous découvrons à présent provient de la chaîne YouTube JDH Spooks Paranormal. Je vous laisse d'abord le découvrir. That's not your hand, Helen. Helen, that's not your hand. No, not your hand. Right, watch this one then. Watch again. That's not your hand. That's if you say it, it's your right. Just hand. Wait. Dark hand, that. Mom, look. That hand's is dark. Helen, look. I'm gonna go back down. Hang on. Light on your left arm. It's not your left arm. There. Are you sure it's not you getting up again, Mom? That's not your hand. No, that wasn't. Helen, look. Look. En observant les caméras de surveillance, l'équipe de sécurité découvrit quelque chose de très étrange. Une étrange ombre, sans doute celle d'une main. Mais comme vous pouvez le voir, elle n'a pas une forme humaine. Selon vous, qu'est-ce que ça peut bien être? Parmi les endroits hantés, il en existe de très fréquentés. C'est le cas de cet hôtel du nom de Crescent Hotel aux États-Unis. D'après les dires, c'est un des hôtels les plus hantés du pays. Dans les années 1930, un homme a occupé une chambre de l'hôtel. Il s'appelait Norman J. Baker. Cet entrepreneur s'est fait connaître car il prétendait avoir découvert un remède contre le cancer pour les patients en phase terminale. Il a donc testé sa solution sur des centaines de patients, hommes comme femmes. Malheureusement, Norman n'était pas médecin, ce qui causa la mort de nombreux de ses patients tests. Aujourd'hui, cet hôtel est encore en activité et de nombreuses personnes le visitent chaque jour. C'est d'ailleurs le cas de nombreux enquêteurs du paranormal qui se penchent très souvent sur le passé lugubre de ce lieu. Les images que vous allez voir ont été tournées par une certaine Odessa. Girls trip,
most haunted hotel in America, and my nightstand on the creepy door is my eyes shut. So, early bedtime looking for ghosts. Si vous avez cligné des yeux, vous n'avez probablement rien vu de ce qui s'est passé. Pourtant, en regardant à nouveau les images au ralenti, voici ce que l'on découvre. Quelque chose traverse la pièce à toute vitesse, juste sous nos yeux. C'est tellement rapide que ça en est presque invisible. Une petite fille court devant la caméra. Mais en observant bien, il n'y a pas d'enfant présent dans la pièce, ni même suffisamment d'espace pour pouvoir courir. Comment est-ce possible selon vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. La vidéo que vous allez voir vient du compte TikTok MandiasMR22. À l'origine spécialisée dans autre chose que du paranormal, Mandy a remarqué depuis quelque temps qu'un invité surprise faisait son apparition chez elle. Elle installa donc des caméras tout autour de sa maison pour découvrir qui pouvait bien perturber sa tranquillité. Première vidéo, on peut entendre la voix d'une vieille dame et imaginer que quelqu'un est en train de frapper à sa porte tard la nuit. Puis dans la deuxième, il s'agissait d'une caméra placée dans la forêt avant que celle-ci ne soit découverte. Malheureusement, les caméras ne dissuadèrent pas les mystérieux invités. Vous avez vu comme moi, ça n'avait rien d'une vieille dame. Dans un premier temps, on voit une silhouette courir, puis on découvre dans l'autre vidéo une immense silhouette transparente dans les bois. Mais ce n'est rien comparé à ce que vous allez voir.
Durant les jours qui ont suivi ces premières images, Mandy a découvert d'étranges choses. Tout d'abord, une ombre sortie de nulle part, puis quelque chose semble se tenir assis sur son toit, juste à côté de la fenêtre de sa chambre. C'est vraiment terrifiant. Mais si seulement ça s'arrêtait là. Ces images nous montrent une silhouette noire se tenant debout à côté du cabanon. La silhouette ne s'avance pas trop, elle sait qu'une caméra filme. Toutes ces choses réunies peuvent bien ruiner la tranquillité de Mandy. Qui est cette mystérieuse silhouette? S'agit-il d'une dangereuse personne qui rôde la nuit près de chez elle? Ou Mandy tente-t-elle de nous faire croire à une intrusion chez elle? Cet extrait a été partagé par un couple sur leur compte TikTok, après que celui-ci ait été témoin d'événements paranormaux. Je vous laisse découvrir ce qu'ils ont partagé. So it's like almost 6 in the morning and Savannah's already gone to work, but I've been hearing this tapping noise for like the last 20 minutes. That's the air conditioner. It's not what I'm hearing. It sounds like someone's tapping with their finger. La vidéo a été tournée très tôt dans la matinée et Jack se trouvait seul à ce moment-là. Il s'est alors mis à entendre des bruits comme si quelqu'un frappait à la porte. Et dès lors qu'il ouvrait, il n'y avait personne derrière. Il se mit alors à filmer pour nous montrer. Il commença par faire un tour de la maison pour nous montrer qu'il n'y avait personne de présent avec lui au moment des faits. Pourtant, un détail nous a échappé. Lorsqu'il filma la chambre, celle-ci n'était pas vide. La silhouette d'une femme s'y trouvait avant de disparaître à nouveau. Et les choses ont continué dans les jours qui ont suivi. I know some of you don't believe me, but I've been starting to get goosebumps and the hair on the back of my neck is starting. What the hell? We are moving. What happened? You look tired. Yeah, kinda. Tonight was a long night. It was. Why are you filming me? You just look really good right now. I do think we're a pretty attractive couple. Don't you think? Yeah, definitely. Oh my god. What? What happened? Did you see something? Okay, so Savannah's saying that she's hearing voices out on the balcony, so I told her I would check it out. What the hell is that? Oh, I definitely just saw somebody out there. C'est au tour de la femme de Jack de vivre des phénomènes paranormaux. Alors qu'elle filmait après avoir entendu d'étranges bruits, elle découvrit une grande silhouette derrière le rideau de douche. Et quelques jours plus tard, c'est Jack qui fut témoin de la même grande silhouette, en voyant une ombre passer juste devant sa fenêtre de salon. Les choses auraient pu s'arrêter ici. Malheureusement, cela ne faisait que commencer. Les choses ont été très bien ici.
We actually met the neighbors in the building here. They live in the apartment on the end. They sound like the voices we heard last week, so I'm pretty sure it just like came through the pipes or something. Anyway, I'm Savannah. And it is our 2-year anniversary, officially 2 years. We've been dating for 2 years, but we've known each other forever. You didn't just see something come in here? No. Hi, so it's 3:45 in the morning, and I just had the worst dream imaginable. I'm starting to film now because I'm picking up on this weird energy. Did you freaking see that? What's going on? I'm sorry to wake you up, Jack. Durant les jours qui ont suivi cette vidéo, Savannah, la femme de Jack, a enregistré de nombreux moments, tous similaires les uns comme les autres. Dans la majorité d'entre eux, on peut apercevoir la silhouette d'une femme traverser la pièce d'à côté, ou disparaître dans l'air. Mais comparé à l'extrait que vous allez voir, c'est rien. Are you recording? You're such a pervert. I'm just documenting your progress. Documenting my progress? Alors qu'ils rentraient après une balade au parc, le jeune couple aperçut dans leur voiture un homme assis, qui disparut dans les airs quelques secondes après. Ils coururent alors très vite pour voir de qui il pouvait s'agir, mais ne découvrirent personne à l'intérieur. Selon vous, que peuvent être toutes ces mystérieuses personnes qui apparaissent et disparaissent sans cesse? S'agit-il de fantômes? Ou avons-nous ici des montages vidéo bien ficelés? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.